Aujourd'hui, je vous présente le jeu de société tout droit sorti de la boutique chez Ludol, Carta Imperia Victoria. C'est un jeu pour 8 ans et plus, de 2 à 4 joueurs et d'une durée d'une vingtaine de minutes. Jeu est fort simple, chacun des joueurs va récupérer une tuile comme celle-ci. Elles sont tous identiques. Il a accepté qu'il y en a une qui a une couleur dorée ici. Donc celui qui va avoir reçu cette tuile-là va être déclaré premier joueur. Sinon, ils sont tous identiques. On peut voir des informations qui vont nous dire, par exemple, selon le nombre de joueurs que nous sommes, comment qu'on va jouer notre partie. Par exemple, à deux joueurs, on peut voir que ça va nous prendre 8 cartes identiques pour pouvoir gagner la partie. Également, pour activer un premier bonus, va nous prendre 3 cartes identiques, un deuxième bonus, 5 cartes identiques. Alors que si on joue à la version A, 4 joueurs, ça va nous prendre seulement 7 cartes pour mettre fin à la partie, seulement 2 pour activer un bonus et 4 pour activer 2 fois le bonus. On va voir tout ça en détail, mais sachez que c'est votre carte qui va vous permettre justement de jouer et un petit rappel de toutes les règles sont ici. Par la suite, vous avez 3 types de cartes. Vous avez des cartes de l'âge numéro 3, vous faites simplement les mélanger. Vous les placez au centre de la table, les cartes de l'âge numéro 2, comme ceci. Vous les mélangez et vous les placez par-dessus le paquet à 3. Et même principe, les cartes numéro 1, on les mélange et on les place par-dessus. Une fois que c'est fait, on a deux options. Soit que chacun des joueurs va la piger 3 cartes, puis ça forme sa main de départ, c'est tout. Ou encore, on a 4 cartes et on fait un mode de draft. Ça veut dire que chaque joueur va avoir 4 cartes. Puis, chacun des joueurs va regarder les cartes qu'il a, va en choisir une. Par exemple, on pourrait décider d'aller chercher ça ici. La garde, pour lui, passe les 3 autres cartes au prochain joueur. Le prochain joueur fait la même chose. Donc, je vais recevoir 3 cartes. Dans les 3 cartes, ben, je peux décider, par exemple, ben, je continue dans le même ordre d'idée. Je garde une carte et je donne les 2 prochaines cartes au prochain joueur. Puis, je vais recevoir 2 cartes. Dans les 2 cartes, c'est pas compliqué, j'en garde une. Puis, la quatrième, elle va être défaussée au centre de la table visible. Chacun des joueurs va faire ça. Ça va se ramasser à ceci à la fin. Puis, dans le sens inverse du premier joueur, donc le joueur à droite du premier joueur va se choisir une carte qu'il va placer devant lui. L'autre joueur d'après va faire pareil. Lui ici va faire pareil, puis le premier joueur va se ramasser avec la dernière carte restante. Pas plus compliqué que ça. Le but du jeu. Si on regarde ici sur notre tuile, on voit qu'à 4 joueurs, c'est le premier qui obtient 7 cartes identiques. Donc 7 cartes de la même couleur. Alors dans une version à 2 joueurs, ça aurait été 8. Parfait, excellent. Pour ce faire, c'est pas compliqué. Durant son tour, nous avons une action obligatoire qui est de jouer une carte. Donc ça tombe bien, j'ai déjà une carte rouge de jouer. Je vais en jouer une deuxième. Puis si j'aurais placé ma 6e carte, ben j'aurais simplement gagné la partie. Pas plus compliqué que ça pour gagner. Une fois que j'ai joué ma carte, qui est obligatoire, je peux activer un pouvoir spécial. Les pouvoirs spéciaux, il y a 2 types. Premièrement, toutes celles où sont activées. Dans l'exemple, à 4 joueurs, dès que j'en ai 2. Donc, 2 cartes identiques me permettent d'activer un pouvoir spécial. Ça tombe bien, j'ai justement 2 cartes rouges. Si je vais voir militaire ici, rouge, ça me dit que je peux défausser une carte. L'utilité de tout ça, c'est que ça me permettrait, par exemple, à la fin de mon tour, il faut que je remonte ma main à 3 cartes. Donc, présentement, si je termine mon tour comme ça, je vais piger une 3e carte. Et dans le fond, j'en pige juste une. Mais si je dis, je jette cette carte-là comme action spéciale, parce que justement, j'en ai 2, j'ai le droit de faire une action spéciale, je vais donc piger un total de 2 cartes. Ça tombe bien, j'ai pu aller me chercher un autre rouge, donc pour progresser dans les rouges. Advenant le cas où j'en ai 4, on se trouve une autre carte rouge, pas grave, et voilà. Je suis rendu à 4 cartes rouges. Ça me dit que, à 4, je peux faire 2 fois le bonus spécial.
Donc ici, ça veut dire que je pourrais défausser deux cartes de ma main. Donc évidemment, dans ce cas-ci, je n'aurais que deux cartes. J'ai l'option d'en défausser une ou d'en défausser deux. Mais ça tombe bien, je cherche du rouge. C'est pas ça que je veux. Donc je jette mes deux cartes, ce qui va me permettre, à la fin de mon tour, de pouvoir aller me chercher un total de 3 cartes. Et c'est exactement ce que j'ai besoin. Ça tombe-tu bien? On peut voir les autres bonus des autres cartes. Dans le gris, elle va augmenter le nombre de cartes maximum. C'est intéressant parce que si j'ai 3 cartes grises devant moi, pardon, 2 dans une version 4 joueurs, nous allons augmenter notre main à 5 à la fin du tour, immédiatement. Donc j'ai placé mon deuxième gris. Je monte à 5 cartes à la fin de mon tour. Ça me permet de piger plus. Si jamais j'en ai 4, j'active le bonus 2 fois. Ce qui veut dire que ma main maintenant a le maximum de 7 au lieu de 3. Ce qui est quand même une énorme différence et me donne beaucoup plus d'options pour jouer mes prochains tours. Au niveau du jaune, ça me dit que je peux défausser une carte en jeu pour jouer une carte. Par exemple, on va chercher une carte là. Mon jeu, il est comme ça. J'ai au moins 2 cartes jaunes. Je décide d'activer le pouvoir spécial qui me permet de discarter une carte en jeu. Donc le symbole comme ça ici veut dire une carte en jeu. Je discarte par exemple ça ici. Puis, ça va me permettre de jouer à nouveau une autre carte pour ce tour. Ça tombe bien, justement une carte rouge, je vais pouvoir la jouer grâce à ceci. Si jamais j'en avais eu 4, j'aurais pu défausser 2 cartes dans le but de jouer 2 cartes supplémentaires. Ce qui peut surprendre les autres joueurs et nous amener directement à une victoire. Au niveau du vert, ça me permet d'échanger une carte de ma main avec une carte en jeu. Si j'aurais par exemple 2 verts, je pourrais arriver mettre un rouge et récupérer un jaune à la place pour encore une fois surprendre et monter rapidement tous mes rouges d'un coup. Au niveau du bleu, le bleu c'est un pouvoir spécial. Celui-ci ne se déclenche pas quand on a 2 ou 4. C'est celui qui en possède le plus. Donc si par exemple je suis le seul à peut-être avoir du bleu, je vais pouvoir copier un bonus d'un autre joueur. Donc advenant le cas comme par exemple ici, lui, ce joueur-là a 2 blancs. Ben, je décide, vu que c'est moi qui ai le plus de bleu, d'aller copier. C'est l'indice que je vais mettre dessus pour me rappeler que j'ai copié son pouvoir avec ma carte. Et maintenant, à la fin de mon tour, j'ai droit à 5 cartes au lieu de 3. Donc, 4 et 5. Advenant, comme là, vous avez vu, j'ai changé d'âge. Il ne reste plus de cartes de l'âge numéro 1. J'arrive à l'âge numéro 2. Il n'y a aucune conséquence. Ça ne change absolument rien. La seule chose, c'est que vous pouvez voir les quantités. Donc, on voit que dans l'âge numéro 1, il a 8 cartes militaires, donc cartes rouges. Dans l'âge numéro 2, il y en a 8. Et l'âge numéro 3, il y en a 4. Alors que les utopies, dans l'âge numéro 1 et 2, il y en a 0. Elles sont disponibles seulement qu'à l'âge numéro 3. Parlant justement des utopies, je vais juste finir avec la culture. Culture, à chaque tour, je peux changer, si je veux, de qu'est-ce que je copie. Donc, si par exemple, ici on est rendu avec 2 verts, le bonus vert m'intéresse plus, j'ai le droit d'aller changer et d'aller copier le bonus vert à la place. Tant si longtemps que je suis toujours le majoritaire. Dès qu'un autre joueur pose une carte bleue et que je ne suis plus majoritaire, le jeton est perdu et maintenant c'est terminé. Au niveau de l'Utopia, l'Utopia permet d'aller prendre une carte discartée. Donc le X, c'est toutes les cartes qu'on va avoir jetées au courant de la partie. Ben, c'est intéressant. Et si jamais on en a 4, je pourrais aller me chercher 2 cartes, comme ça, depuis la défausse et les mettre dans ma main. Pour les bonus, je précise qu'on peut tout activer, tous nos bonus. Donc dans le cas présent, mettons que j'enlève cette carte-là, j'ai ça, bon, ça c'est actif. Mais je peux également activer le pouvoir jaune et je peux activer également 2 fois le pouvoir rouge. Tout ça dans le même tour. Aucun problème avec ça. Mais c'est des options. Je ne suis pas obligé de discarter 2 cartes. C'est moi qui décide. Je peux en discarter 1, 2 ou 0. Ceci après avoir joué une carte. Parce que jouer une carte, ça c'est obligatoire. Je n'ai pas le choix.
Autre chose également que je peux faire à volonté durant mon tour, c'est de discarder des cartes qui sont en jeu. Donc, je pourrais arriver, commencer à jeter mes cartes, excepté les cartes de culture qui ne se jettent pas. Mais toutes les autres cartes, lorsque vous allez les jeter, elles vous donnent un bonus. Le rouge, bien, ça me permet, lorsque je jette une carte rouge, je discarte une autre carte en jeu et tous les autres joueurs doivent discarter la même carte. Par exemple, je discarte une carte rouge, suivie. Là, dans le cas présent, ça ne serait pas très, très productif, mais mettons que j'ai ça, suivi de cette carte-là, et tous les autres joueurs doivent discarter une carte de religion. Ils n'auront pas de choix, parce que j'ai utilisé son bonus en discartant la carte. La religion, lorsque je discarte, donc je jette ma carte de religion, je prends toutes les cartes en main d'un autre joueur, je les rajoute à ma main, puis parmi toutes les cartes que j'ai en mes mains, je dois lui redonner le même nombre que je lui ai pris. Ça peut être intéressant pour me justement améliorer ma main ou empêcher un joueur d'avoir les bonnes cartes en main. Les cartes jaunes permettent, lorsque je les jette comme ceci, je vais les placer à l'endos sur une catégorie d'un autre joueur. Durant son tour, le joueur ne pourra pas rajouter de carte verte, la carte de la même catégorie. Et à la fin de son tour, cette carte est défaussée. Donc ça peut être intéressant pour empêcher un joueur de gagner la partie, de le bloquer pour un tour. Le vert permet, lorsqu'on jette une carte verte, de piger 5 cartes et puis à la suite d'en défausser 5. Ça peut être intéressant justement pour aller chercher les cartes que vous avez besoin. Finalement, Utopia, ça dit que vous allez augmenter le nombre de points de victoire dans un domaine. Ça veut dire quoi? Par exemple, un joueur a une carte Utopia devant lui, décide de la jeter, puis il va aller la rajouter à une catégorie déjà en cours, par exemple à son vert. Ça veut dire que dorénavant, au lieu d'avoir besoin de 7 cartes vertes pour gagner, lui, ça va y en prendre 8. Mais seulement dans la catégorie dans laquelle que j'ai mis un Utopia. Et si j'en mets plusieurs, ben la difficulté va augmenter du nombre qu'il a reçu. Donc on pourrait lui en racheter 3, 4, 5, il n'y a pas de problème. Et le nombre qu'il va avoir de besoin va être augmenté du même nombre. Voilà, c'est pas plus compliqué au niveau des règles. Vous allez voir, on va passer une petite partie d'initiation. Vous allez vous donner vraiment une bonne idée de la dynamique d'une partie et voir si ce jeu vous intéresse.